Bon alors bonjour à tous, donc moi c'est Émile et puis je vous présente Alexandre. Bonjour. Donc à nous deux on a fondé la chaîne il y a à peu près 2 ans, puis aujourd'hui on va faire notre première vidéo donc en commun et on va faire une préparation classique qui est celle donc de l'éther diéthylique ou éthoxyéthane. Donc Alexandre je te laisse commencer en expliquant un petit peu ce qu'est l'éther puis à quoi ça sert. Alors tout d'abord l'éther, donc c'est une molécule somme toute très simple, deux fragments éthyle avec un oxygène au milieu, symétrique. Donc on parle bien d'éther pour faire référence à la fonction éther qu'elle contient. C'est une molécule utilisée à l'époque en anesthésie à l'hôpital, qui a été abandonnée depuis, pour des raisons notamment de son inflammabilité. Tout à fait. Donc l'éther, c'est une molécule qui est très inflammable et donc il va falloir être très prudent lorsqu'on la manipule, éviter donc les étincelles ou les sources de chaleur à proximité, À puis fait. avoir une bonne ventilation pour éviter l'accumulation des vapeurs qui sont Tout à fait. dangereuses pour l'inflammabilité. Voilà. C'est à peu près son seul danger, hein, dans le fond. Il n'est pas particulièrement Oui, il toxique n'est pour pas très l'homme. toxique, il a une toxicité à peu près équivalente à celle de l'éthanol. Quelque chose comme ça, oui. Donc pour C'est. l'être humain, dans le fond, c'est pas grave de le manipuler et d'en respirer. Ça peut provoquer un petit peu des troubles parce que c'est un anesthésiant, on en a parlé, mais il n'est pas dangereux, il n'est pas toxique. Contrairement à d'autres solvants chimiques Voilà. qui sont beaucoup plus Qui sont beaucoup plus. problématiques. Voilà, tout à fait. Alors, pour sa synthèse aujourd'hui, donc comment est-ce qu'on va s'y prendre? Et puis, pardon, j'oublie un petit détail. À quoi ça sert donc en laboratoire, l'éther Voilà, finalement? alors en laboratoire, l'éther en fait il est utilisé aussi bien en tant que solvant de réaction que de solvant d'extraction. Ouais. Pour la première utilisation, en fait, notamment, on le retrouvera dans des réactions type réaction de Grignard, donc d'organomagnésien, parce que voilà, l'éther est une base de Lewis, c'est-à-dire que l'oxygène possède des doublets non-liants qui vont pouvoir stabiliser des lacunes présentes par exemple sur un organomagnésien au niveau du magnésium, rendre ainsi le L'édifice plus tout, stable. voilà, l'édifice plus stable, tout à fait. Et aussi bien donc en tant que solvant d'extraction, parce que donc l'éther voilà, n'est pas miscible totalement à l'eau et il pourra donc faire un surnageant qu'on pourra donc extraire, isoler. Et donc comme l'éther est un très bon solvant pour un très grand nombre de composés, l'éther est un solvant de choix pour des extractions. Notons évidemment que comme il est très volatile, température d'ébullition de 34,7 degrés, il me semble, on va pouvoir très facilement le retirer après l'évaporateur rotatif, ou dans notre cas simplement en le distillant, puisqu'on n'a pas d'évaporateur rotatif. Tout à fait. Et ça nous permet du coup de sortir le solvant et d'extraire le produit d'intérêt et d'avoir très peu de résidus de solvant organique dans le Voilà. produit d'intérêt. Donc bon, ça c'est globalement donc pour les usages de l'éther. Et alors pour ce qui est de la fabrication qu'on fait aujourd'hui, donc la synthèse, on va faire une déshydratation intermoléculaire de l'éthanol, donc on va prendre dans l'alcool à brûler, avec un catalyseur qui sera un acide de Brønsted, l'acide sulfurique, donc une source de protons, qu'on va utiliser donc ici un déboucheur de canalisation, on ne va pas aller chercher des produits particulièrement purs. C'est une synthèse qui est très robuste, qui ne nécessite pas des réactifs très purs. Donc là, le mécanisme c'est le suivant, donc l'acide sulfurique donc vient protoner une molécule d'éthanol du milieu donc sur l'oxygène, on forme un alkyloxonium, donc avec le bon groupe partant H2O, qui est électrophile par le carbone. Donc on a fait une activation électrophile ici de la fonction alcool. Ce qui se passe ensuite, c'est une attaque nucléophile donc d'une molécule d'alcool du milieu, donc par l'oxygène de la fonction alcool, donc sur le carbone électrophile de l'alkyloxonium, avec perte du groupe partant qui forme une molécule d'eau dans le milieu. On obtient ainsi du coup l'éther diéthylique encore protoné, qui par déprotonation du coup donne l'éther diéthylique, le produit de la réaction. Notons que toutes ces réactions sont donc des réactions d'équilibre ici, hein, et si on veut du coup convertir quantitativement l'éthanol en éthoxyéthane, ce qu'il va falloir, c'est extraire du milieu réactionnel l'éther, en se servant de sa bonne volatilité en le distillant par exemple, pour du coup empêcher la réaction de retour, l'hydrolyse de l'éther en éthanol, et avoir du coup une réaction quantitative. C'est le principe de Le Chatelier finalement, déplacer l'équilibre en extrayant l'un des produits du milieu réactionnel. Alors je vous propose maintenant de passer simplement à la synthèse, puis on va voir comment on fait ça en pratique, en laboratoire. Donc pour cette synthèse, on va utiliser de l'éthanol qu'on a recyclé au cours de précédentes préparations, puisque pour cette préparation particulière, on n'a pas besoin d'une pureté très importante de nos réactifs. Donc on va commencer par introduire donc par l'ampoule de coulée 200 ml d'éthanol qu'on a recyclé. Donc
qu'on introduit 100 millilitres de plus. Donc voilà dans le ballon nos 200 millilitres d'alcool. Et pour les convertir en éther, on va utiliser un catalyseur acide, qui est donc l'acide sulfurique. Et là, on va prendre un déboucheur de canalisation, puisque comme je le disais tout à l'heure, on n'a pas besoin de réactifs particulièrement purs pour cette synthèse. Alors là, on va être plus prudent, on va prendre un entonnoir. Et on va mettre 100 millilitres. Ce qui nous fait du coup du 1 tiers par rapport au volume total. Donc avant d'introduire l'acide sulfurique dans l'éthanol, on active les circuits de réfrigération. On active l'agitateur. Et on introduit maintenant l'acide sulfurique dans l'éthanol. Alors à ce stade, il y a toujours un fort réchauffement, donc on va générer des vapeurs, et c'est pourquoi il faut d'abord activer les circuits de réfrigération. Donc comme on peut le voir, le mélange rentre en ébullition lors de l'addition de l'acide sulfurique. Alors avant toute chose, avant de démarrer vraiment la synthèse, on va recharger l'ampoule de coulée avec un petit peu plus d'éthanol pour pouvoir en additionner au fur et à mesure de la réaction, puisqu'on va retirer l'éther du milieu réactionnel. On peut maintenant commencer à chauffer le mélange pour le porter à l'ébullition. Donc là, on observe que l'ébullition a commencé et que de l'éther commence à monter dans la colonne de vigreux. Mais on observe également qu'au sommet de la colonne, la température mesurée par le thermomètre est bien supérieure à la température d'ébullition de l'éther, puisqu'elle est de l'ordre de 60 degrés Celsius. Ok, donc ce qu'on va faire du coup, c'est qu'on va refroidir la colonne aussi avec du sopalin, enfin du papier absorbant qu'on aura imbibé d'eau. Et ça nous permettra de diminuer un petit peu la température des vapeurs qui arrivent au sommet pour les ramener aux alentours de 35 degrés ou 40 degrés, c'est-à-dire très proche de la température d'ébullition de l'éther. Voilà. Donc là, on voit que maintenant qu'on a refroidi la colonne de vigreux, la température qu'on mesure au sommet de la colonne est cette fois-ci plutôt de l'ordre de 40 degrés, ce qui correspond beaucoup mieux à ce qu'on attend pour une distillation d'éther diéthylique. Alors ce qu'on va faire pour garder la colonne froide, c'est maintenir mouillé le papier absorbant autour avec une pincette d'eau, de sorte à ce que l'évaporation de l'eau permette le refroidissement de la colonne. Donc là, maintenant que la distillation a commencé, ce que je vais faire, c'est introduire un petit peu d'éthanol dans le milieu, de sorte à garder constant le ratio éthanol-acide sulfurique, puisque l'éthanol est consommé petit à petit par la réaction, et l'éther extrait du milieu réactionnel. Donc là, je pense qu'on arrive à la fin de la première ampoule d'alcool. Et après, il faudra recharger, puisque là, à mon avis, il reste suffisamment d'acide sulfurique pour qu'on ait encore du pouvoir catalytique et qu'on soit capable de convertir davantage d'alcool. Donc on va recharger l'ampoule avec un peu d'alcool à brûler. Je vais remettre 100 ml. Et voilà. Donc là on arrive à 400 ml d'alcool, je vais recharger à 500. Donc par l'ampoule de coulée, on va pouvoir introduire de l'éthanol au fur et à mesure dans le milieu réactionnel. Donc là, l'éthanol est déshydraté par l'acide sulfurique en éthoxyéthane, qui à la température du milieu réactionnel est vaporisé. La vapeur monte dans la colonne de vigreux où l'éthanol est recondensé. Donc on aura refroidi la colonne pour favoriser la condensation de l'éthanol. On observe donc qu'au sommet de la colonne de vigreux, on a bien une température qui est de l'ordre de 40 degrés Celsius, ce qui est très proche de la température d'ébullition de l'éther. Les vapeurs sont ensuite recondensées dans le réfrigérant droit et arrivent au goutte à goutte dans l'ampoule à décanter. Et vous voyez qu'on en a déjà récupéré une assez bonne quantité. On n'aura plus donc qu'à le nettoyer un petit peu tout à l'heure pour obtenir de l'éther diéthylique de bonne pureté. Alors de façon amusante, à un stade un peu plus avancé de la réaction, on constate qu'en enlevant
le papier mouillé autour de la colonne de vigreux, donc avec juste une réfrigération par l'air, on arrive tout de même à stabiliser la température aux alentours de 40 degrés Celsius. Donc là, si on regarde la température du milieu réactionnel, on observe qu'on est à 130-140 degrés au niveau donc du milieu réactionnel, ce qui correspond à la température qu'on cherche pour une déshydratation intermoléculaire. Au-dessus, donc, on a de la vapeur qui entre dans la colonne de vigreux à peu près 80 degrés. Et au fur et à mesure qu'on s'élève donc dans la colonne, la température diminue pour arriver tout en haut de la colonne à peu près 40 degrés, ce qui correspond à la température d'ébullition de l'éther, ou du moins une température suffisamment proche de la température d'ébullition de l'éther qu'on attend au sommet de la colonne de vigreux. Au final, là, on a écoulé à peu près 5 ampoules de 100 ml d'éthanol dans le milieu réactionnel. Donc là, à ce stade, on a principalement de l'eau et de l'acide sulfurique dans le ballon. On convertit les dernières traces d'éthanol en éther. Donc l'éther monte dans la colonne de vigreux. Au niveau du thermomètre, bien qu'on ait plus de réfrigération de la colonne, on a la bonne température parce qu'on a presque plus que de l'eau dans le milieu réactionnel et que la séparation de l'eau et de l'éther est beaucoup plus facile que la séparation de l'alcool et de l'éther. Et on a collecté en tout une ampoule à décanter complète d'éther diéthylique, ce qui nous fait une bonne quantité qu'on n'aura plus ensuite qu'à purifier pour produire de l'éther de bonne qualité. Là, on voit bien que le milieu réactionnel a complètement changé d'aspect et que ce qu'on commence à condenser dans la vapeur, donc sur le bas de la colonne de vigreux notamment, c'est beaucoup plus laiteux et donc ça doit contenir beaucoup d'eau. À ce stade, donc, le milieu est complètement appauvri en éthanol. Et ce qu'il nous reste, c'est majoritairement de l'eau et de l'acide sulfurique. À ce stade, on observe aussi que la température au sommet de la colonne augmente. Donc il faut chauffer davantage pour que la vapeur passe, et ce qui passe contient beaucoup plus d'alcool. Donc le rythme de production d'éther a beaucoup diminué. Donc là, ce qu'on va faire, c'est couper la plaque chauffante. On va arrêter la réaction pour aujourd'hui. On va également récupérer notre ampoule à décanter d'éther diéthylique, la mettre de côté pour demain où on s'occupera de faire tous les traitements et la purification. Et évidemment, vu que l'éther est volatile, on va couvrir l'ampoule d'un bouchon de verre que je vais clipper. Donc à la fin de cette première étape de réaction, ce qui reste dans le ballon, donc c'est toute l'eau issue de la déshydratation intermoléculaire de l'éthanol, un petit peu d'éthanol qui n'a pas été converti, le catalyseur de déshydratation, donc l'acide sulfurique qui est encore présent, et des produits de décomposition et de carbonisation, des sulfates d'alkyl, etc., etc., qui vont donner du coup au milieu cette apparence huileuse et goudronneuse. Donc évidemment, ça représente des déchets de synthèse qu'il va falloir que je retraite de mon côté, en particulier en neutralisant l'acide sulfurique. Ok, donc nous voilà le lendemain. Donc là, on va processer donc cette ampoule d'éther qu'on a préparée hier. Donc là, à ce stade, il y a de l'éther dans l'ampoule, un petit peu d'alcool qui est passé à la distillation, bien qu'on ait mis une colonne de vigreux et qu'on essaie de la refroidir un petit peu pour limiter la quantité d'alcool qui passe. Et puis il y a sûrement quelques acides, un petit peu d'acide sulfureux probablement, dû à la formation du dioxyde de soufre à cause de l'acide sulfurique qui se décompose et qui vient du coup polluer notre éther. Donc on va essayer de retirer les traces d'alcool et les traces d'acidité. Donc pour ça, on va faire quelques lavages. Et les premiers lavages qu'on va faire, ce sera avec de l'eau. Bon bah très bien, du coup allons-y. Donc je vais déclipper hop, le bouchon. Il va peut-être y avoir un petit peu de pression, donc je vais faire attention. Non, ça va. Pas plus que ça. Alors je l'avais laissé toute la nuit là. On a fini un petit peu tard hier, donc... J'avais fait ça. Ok, donc je mets un petit peu d'eau dans l'ampoule. Alors normalement, si on s'en est bien sorti, qu'il n'y a pas trop d'alcool, on devrait avoir un système qui diphase. S'il y a beaucoup d'alcool, en fait, l'éther arrive à se dissoudre dans le mélange eau-alcool. Mais là, on voit qu'il y a une phase qui apparaît, je vais vous la montrer tout à l'heure. Donc c'est bien, c'est qu'on s'y est bien pris. Ok, donc je remets le bouchon. Alors là, à ce stade, je ne sais pas si vous le voyez, il y a une phase ici, là, un système biphasique, donc éther-eau. Ouais, je crois pas qu'on le voit sur la caméra, je vais focusser pour vous montrer ça. Donc là, ici, là on voit l'interface entre les deux fluides. Ouais, l'éther n'étant, comme je vous le disais dans l'intro avec Alexandre, pas miscible à l'eau. Ok, donc là on va procéder à l'agitation de l'ampoule. Ok, donc l'idée c'est d'agiter. Pour maximiser l'échange, enfin le mixage entre les deux produits, et les équilibres thermodynamiques donc, qui ont lieu entre les deux phases. Pour que l'alcool qui est relativement miscible à l'eau, enfin relativement soluble dans l'eau, passe donc dans la phase aqueuse et quitte la phase d'éther, ainsi qu'un petit peu le dioxyde de soufre qui aura pu se dissoudre dans l'éther. Alors attention avec l'éther donc qui est très volatile, il y a une forte surpression généralement, hein,
Donc je maintiens bien le bouchon et je vais également dégazer, c'est-à-dire ouvrir le robinet et laisser échapper les gaz, donc principalement les vapeurs d'éther. Voilà, vous entendez, il y a cette petite surpression là qui est due à la vapeur du solvant. Voilà. Bon, je vais laisser reposer l'ampoule. On va attendre que les deux phases se séparent à nouveau et on évacuera la phase aqueuse. Donc évidemment, on débouche l'ampoule à décanter. Hop. Avant d'ouvrir le robinet, sinon ça coule pas. Puis on ouvre le robinet pour évacuer la phase d'eau, la phase inférieure d'eau qui est plus dense que l'éther. Et on va procéder à un deuxième lavage. Donc je remets de l'eau dans l'ampoule. Alors évidemment, à chaque fois, on va perdre un peu d'éther, hein, mais c'est bien sûr le coût à payer pour le nettoyer un petit peu. Et un autre problème, évidemment, c'est qu'on va introduire beaucoup d'eau dans le solvant. Donc après, on a le choix, soit on le sèche, soit on le sèche pas. Ça dépend de ce qu'on va en faire. Moi, en l'occurrence, c'est juste pour faire des extractions liquides-liquides que je le fabrique aujourd'hui. Donc je me fiche qu'il y a un petit peu d'eau. Et je pense pas le sécher, histoire d'économiser un peu mes agents de séchage. Ok, on reprocède à l'agitation. Et au dégazage. Vous voyez, il y a une bonne pression là. Ça bulle même encore. Donc faut être prudent quand même avec cette étape. Vous voyez, je maintiens le bouchon et le col de l'ampoule avec la même main et en faisant une pince ferme. Ce qui est vraiment le truc crucial. Et autre chose, évidemment, lorsqu'on vente l'ampoule, lorsqu'on dégaze, on le fait toujours dans la direction opposée où il n'y a personne et pas vers soi. Ok. Donc même chose que tout à l'heure, on évacue la phase aqueuse. Hop. Et là, on va procéder à quelques lavages avec une base pour retirer les restes d'acide. Ok, donc maintenant pour laver l'éther des dernières traces d'acide qu'il peut y avoir à l'intérieur, ce qu'on va faire, c'est préparer une solution de soude, donc bien basique, qui va nous permettre d'absorber le dioxyde de soufre. Donc pour ça, je vais mettre un peu de soude, qui est également un déboucheur de canalisation, vous voyez, ça s'achète commercialement, dans un bécher. Je vais également ajouter de l'eau. Alors attention, quand on dissout de la soude dans de l'eau, c'est très exothermique, donc il faut être assez prudent. Ça va chauffer. Et étant donné que l'éther est très volatile, il faudra laisser refroidir la solution avant de l'utiliser pour faire les lavages. Donc voilà, un peu d'eau, un peu de soude, on agite. Voilà, délicatement. On laisse la soude se dissoudre, ça se dissout assez vite. Par contre, comme je vous disais, c'est très exothermique, hein, on doit voir un petit peu la vapeur là sur les bords du bécher, ce qui est dû à l'évaporation de l'eau, qui est portée à peut-être 60 degrés ou un truc comme ça. J'ai pas de thermomètre là sous la main pour vous montrer, mais si, remarquez. Hop, un thermomètre infrarouge. Vous voyez? Ouais, on est à 78, 80 degrés. On est à 80 degrés là, Celsius. Donc attention avec la dissolution de la soude, ça chauffe. Hors de question de laver l'éther avec une solution qui est à 80 degrés. L'éther serait vaporisé instantanément. Donc on va la laisser refroidir d'abord. Donc là, ça y est, la solution de soude est revenue à température. Hein, au toucher, elle est juste tiède. On sent qu'elle est en dessous des 37 degrés, des 35 degrés de température d'ébullition de l'éther. Donc on va tenter de laver, on va faire notre lavage basique, là on va tenter de laver l'éther à la soude pour retirer les traces d'acidité. Alors bon, vous noterez que là je porte pas de gants. Personnellement, je suis pas très stressé du fait de mettre de la soude sur le doigt, hein, ça va pas me tuer quoi, c'est bon, faut se laver les mains après, c'est tout. Par contre, je porte des lunettes. Voilà, notez bien que la soude dans les yeux, ça pour le coup c'est terrible, alors que sur la peau, ça va vous brûler. Au bout d'un certain temps seulement, là pour l'instant je sens encore rien, j'en ai mis sur mon doigt et il se passe rien. Du moment qu'on rince avec de l'eau derrière, ça se passe bien. Dans les yeux, ça peut être beaucoup plus dangereux. Donc lunettes à tout prix, et puis des gants si on est un peu plus prudent, parce qu'évidemment là j'ai touché de la soude, ça va pour ma main, mais si je me touche les vêtements ou les yeux, ça peut devenir très grave. Donc là je vais me laver les mains, puis on reprend juste après. Et on procède au lavage basique. Ok, bon, on y va, du coup je réouvre l'ampoule à décanter. Et on va introduire un peu de la soude donc aqueuse de tout à l'heure dedans et voir comment ça se passe. Est-ce qu'on a une réaction un peu trop exothermique? Est-ce qu'il faut plus refroidir? Est-ce qu'on peut travailler avec ça ou pas? Donc là je la verse et on observe pas d'ébullition ou alors vraiment... Non, pas d'ébullition, donc ça a l'air d'aller. Donc on va faire nos lavages avec la soude comme ça. Allons-y.
Donc je referme l'ampoule et on va l'agiter et dégazer. Évidemment, il faudrait être prudent parce que là, ça risque de chauffer un petit peu plus. Bah non, ça va, ça pourrait être pire. Je procède à deux lavages plutôt qu'un seul. En général, c'est plus efficace. Enfin, c'est plus efficace. Et sur ce deuxième lavage, on va s'assurer que la soude qu'on évacue au bas de l'ampoule est bien basique, ce qui prouvera qu'on en a utilisé assez pour neutraliser toute l'acidité. Et pour ça, on fera un rapide test du pH. Donc, on peut évacuer la phase de soude. Hop. Et on va tester le pH donc de ce qui coule en bas de l'ampoule rapidement avec un petit papier. Hop. Vous voyez là on est à un pH de l'ordre de 14, hein, donc c'est bel et bien basique. Il reste de la soude dans l'eau qu'on vient d'évacuer. Donc on a mis bien assez de soude pour neutraliser tous les acides sulfureux et carboniques. Donc on est bon. On peut laver notre éther une dernière fois à l'eau pour retirer les traces de soude. Et ensuite on le distillera. Ouais, donc j'en mets de l'eau dans l'ampoule. Voilà. Et on va pouvoir rincer un petit peu donc tous les ions, en particulier donc les ions sodium, les ions hydroxyde. Nettoyer un petit peu l'éther une dernière fois. Et ensuite, il restera plus qu'à le purifier vraiment par une distillation. Alors vous noterez que le format de cette vidéo est un petit peu différent de celui d'habitude, hein, il est moins poli. Là, je parle directement à la caméra, on tente quelque chose de plus détendu avec Alexandre. Moi, ça me fera moins de boulot pour le montage de la vidéo. Maintenant, je ne sais pas si vous, ça vous ira. N'hésitez pas à me le dire, hein, dans les commentaires. Si vous aimez ce format plus détendu, plus naturel, bah, dites-le moi. Puis si vous préférez le format un peu plus travaillé, un peu plus poli, avec un son plus neutre et de meilleure qualité, et bah, c'est pareil, dites-le moi. C'est vous qui me dites ce que vous préférez dans les commentaires. Là, je tente un truc un petit peu différent pour cette vidéo. Ok. Nous y voilà. On a fait notre dernier lavage, donc je vais évacuer l'eau. Ok, donc maintenant ce qu'on va faire, c'est récupérer l'éther qui nous reste dans l'ampoule à décanter et qu'on a maintenant bien lavé. Donc pour ça, je vais changer de récipient collecteur. J'enlève l'Erlenmeyer meilleur. Et je mets un ballon de 500 ml, ce qui devrait suffire. Ok, donc on peut maintenant récupérer notre éther. Alors notez qu'à ce moment-là, donc juste avant la distillation, ce serait le moment où je devrais le sécher avec un agent de séchage comme du chlorure de calcium par exemple, ou du sulfate de sodium, ou de magnésium. Donc on le sécherait et une fois sec, on pourrait le distiller et avoir de l'éther de qualité vraiment de laboratoire, hein, dans lequel on pourrait faire des organomagnésiens ou ce genre de réaction qui nécessite vraiment de l'éther propre, pur et anhydre. En l'occurrence, moi, je vous l'ai dit, je vais juste m'en servir pour faire des extractions liquides-liquides. Donc je vais me contenter de le distiller tel quel. Il contiendra un petit peu d'eau à la fin, mais l'humidité du solvant ne me dérangera pas pour ce que je vais faire. Donc je ne vais pas gaspiller mon agent de séchage pour ça, et je vais simplement distiller là ce que je récupère dans le ballon. Ouais, mais on a un ballon qui est demi-plein, ce qui est très bien pour faire une distillation. Le ballon n'est pas trop rempli. Donc c'est vraiment ce qu'il nous faut. C'est parfait. Donc là, vous voyez, on a notre ballon de 500 ml avec notre éther dedans. Donc éther qui à ce stade normalement est débarrassé de la majorité de l'éthanol et des acides sulfureux et carboniques, mais qui normalement est encore assez humide et contient possiblement encore quelques restes d'éthanol ou des sulfates d'alkyle. Donc on va procéder à une distillation pour être sûr qu'il soit propre. Donc je le mets sur ma plaque chauffante et je vais également mettre donc dans le liquide un petit barreau aimanté pour pouvoir agiter magnétiquement et avoir une ébullition plus régulière. Alors comme a priori la première fraction, on ne sait pas ce que ça va être, et ça peut être quelque chose de plus volatile que l'éther, c'est possible. Je vais mettre un Erlenmeyer, on va regarder la température d'ébullition, et lorsqu'on aura identifié qu'on a bien de l'éther qui distille, on pourra commencer à le collecter. Donc voilà, pour l'instant je vais mettre juste un Erlenmeyer, et on va collecter la première fraction qui passera à la distillation séparément, pour s'assurer de ne pas contaminer notre éther si l'éther passe en deuxième. Voilà, donc on veut que l'eau soit très froide pour les réfrigérants, donc je vais mettre un bloc de glace dans l'eau de mes circuits de réfrigération, et on pourra distiller l'éther sans avoir trop de pertes.
Donc on va allumer l'agitation magnétique en particulier pour avoir, comme je vous le disais, une ébullition régulière. Et on va essayer de chauffer très légèrement puisque l'éther bout à 35 degrés. Donc je vais mettre la température sur 80 degrés par exemple, au niveau de la plaque, 85 degrés par exemple, et ça devrait suffire. Donc vous voyez, là ça y est, ça bout, hein. On est clairement à l'ébullition, il y a un petit peu de reflux qui se crée dans la colonne, et le liquide néanmoins est tout à fait froid, hein. On peut tout à fait le toucher. On sent à peine qu'il est chaud, il est à 35 degrés, d'ailleurs je vais vous montrer ça. Je prends le thermomètre de tout à l'heure, hop. Et vous voyez, le liquide est à 39 degrés, donc il est un petit peu au-dessus de la température d'ébullition de l'éther. Mais on est globalement à une température qui est de l'ordre de la température ambiante. L'éther, c'est vraiment très volatile. Donc cette distillation, normalement, elle est très facile. Pas besoin de chauffer très fort. Alors ça y est, là, il y a les premières gouttes de liquide qui commencent vraiment à se condenser sur le haut de la colonne de vigreux. Donc la vapeur traverse une bonne longueur de colonne. On a un bon échange entre la phase liquide et la phase gazeuse, ce qui nous permet du coup de bien séparer les fractions. Donc là, ça y est, la vapeur arrive au thermomètre, donc je vais essayer de vous montrer la température. Donc vous voyez là, on est légèrement en dessous de la température d'ébullition de l'éther, on est plutôt à 32 degrés. Ouais, 33 degrés si j'arrive à lire d'ici, donc on n'est pas encore à 35, enfin à 34,7. Mais on est quand même très très proche. Donc là, les premières gouttes de la distillation qui passent, passent à une température qui est un petit peu inférieure à 35 degrés, donc un petit peu en dessous de la température d'ébullition de l'éther. Et derrière l'odeur de l'éther, qui est quand même très prédominante, on perçoit une légère odeur un petit peu comme de la pomme verte, ce qui d'après moi pourrait être de l'éthanal, donc le produit d'oxydation de l'éthanol, par l'acide sulfurique. L'acide sulfurique, c'est légèrement oxydant à chaud, en fait, hein, c'est pour ça que ça carbonise l'alcool en particulier. Et il n'est pas impossible qu'on ait formé un tout petit peu d'éthanol qui vienne contaminer notre éther. Et l'éthanol est un petit peu plus volatile que l'éther. Je crois qu'il boue à peu près à 20 degrés. Je vous mettrai la température exacte sur la vidéo. Donc là, on est en train d'éliminer la première fraction, qui n'est pas tout à fait pure et qui contient un petit peu d'éthanol à l'odeur, en tout cas, à mon avis. Donc je vais laisser passer cette fraction et ensuite on collectera la fraction de cœur, qui sera donc le solvant que je vais garder pour la suite et utiliser comme solvant d'extraction dans mes vidéos. Donc là, ça y est, on s'approche beaucoup de la température d'ébullition de l'éther maintenant, on arrive à 34 degrés là à peu près. Donc à l'erreur de lecture près du thermomètre qui est de l'ordre de 1 degré, on est bon. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer l'éther qui arrive maintenant, en le considérant comme étant pur. Donc vous voyez, on a éliminé un tout petit peu d'une fraction de tête, c'est pas beaucoup, hein, il y a peut-être 1 ml ou 2 là, d'éther qui sent légèrement la pomme verte, et que je considère comme étant impur, probablement souillé par un petit peu d'éthanal. Et là, on est en train maintenant de collecter la fraction de cœur, donc qui contient tout l'éther diéthylique, que je vais estimer comme étant pur. Là, je vais essayer de vous montrer un petit peu la haute inflammabilité de l'éther. Donc je vais vous montrer ça. On va mettre un petit peu... donc de notre fraction d'éther qui contient probablement un peu d'éthanol dans ce récipient, et regardez ça, la vapeur prend feu avant le liquide et enflamme le liquide qui va brûler avec une flamme orangée et très rapidement. Donc l'éther est quand même particulièrement inflammable, c'est pour ça qu'il faut faire très attention à limiter les sources de chaleur, d'étincelles, etc. quand on procède à une distillation de cette substance. C'est pour ça que là je fais ça en extérieur, bien sûr. Donc là, on est en train de collecter notre éther diéthylique pur à un rythme d'environ 1 goutte/seconde. Donc c'est très bien, 1 goutte/seconde pour une distillation, c'est idéal si on veut faire les choses bien. Maintenant, bon, il y a quand même 300 ml d'éther à distiller à l'œil. Il y a un bon volume, donc ça va être vraiment beaucoup trop long si je vais à ce rythme-là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais augmenter un petit peu la température de la plaque. Voilà, donc là, un rythme comme ça, c'est quand même beaucoup mieux, ça va être beaucoup plus rapide. Et on n'est pas non plus en train de saturer la colonne ou le réfrigérant.
Par ailleurs, donc niveau température, là on est très bien, on est vraiment à 35. Donc c'est exactement la température d'ébullition qu'on attend pour cette distillation. Donc là, c'est bien entendu une distillation classique, hein, donc le mélange évaporisé. Les vapeurs montent dans la colonne de vigreux où les composés les moins volatiles, en particulier l'éthanol, sont recondensés. Les vapeurs arrivent ensuite au thermomètre où on peut lire la température d'ébullition du distillat qui ici correspond à 35 degrés, donc la température d'ébullition de l'éther diéthylique. On a un beau plateau en température depuis un bon moment là déjà. Donc l'espèce qui passe ici et qui se liquéfie dans le réfrigérant droit avant d'arriver dans le flacon collecteur, c'est bien l'éther diéthylique à peu près pur. Et on en a une bonne fraction de cœur. Là, on constate maintenant que la température s'est élevée un petit peu, donc on n'est plus exactement à 35 degrés. On serait plutôt à 37 degrés Celsius, ce qui veut dire que l'éther qui distille n'est plus tout à fait pur. Donc là, ce que je vais faire maintenant, c'est récupérer donc le flacon d'éther qui est passé à 35 degrés Celsius. Et puisque maintenant l'éther passe plutôt à 37 degrés et que ça va sûrement monter un petit peu, au moins jusqu'à 40, ce que je vais faire, c'est récupérer à part la nouvelle fraction. Dans un autre flacon. Et je mettrai des étiquettes différentes pour ces deux flacons pour préciser que celui-ci est un peu moins pur. Donc voilà, là on a l'éther dans son flacon. Donc on a 153,6 g d'éther non anhydre. Donc il est encore un peu humide, mais relativement pur puisqu'il est passé à 35 degrés Celsius. Et j'ai également mis la date d'aujourd'hui, donc le 21/07/2020. Histoire de savoir donc quand je l'ai mis dans son flacon et si oui ou non il va contenir des peroxydes. Et j'ai aussi mis le niveau du liquide pour savoir si le flacon est bien fermé et si mon éther s'évapore. Si je re-regarde le flacon dans une semaine, je veux que le liquide soit au même niveau pour m'assurer que le flacon est bien hermétique. Donc là on arrive sur la fin de la distillation, donc il y a juste un résidu moins volatile dans le ballon et la température donc au sommet de la colonne commence à s'élever. Puisque comme vous le voyez ici, on mesure une température de l'ordre de 40 degrés Celsius, soit 5 degrés au-dessus de la température d'ébullition de l'éther diéthylique. Alors c'est pas énorme, hein, 5 degrés au-dessus, donc l'éther qu'on collecte reste quand même relativement pur, donc je vais le mettre à part, parce qu'il n'est pas aussi pur que celui de tout à l'heure, mais il reste utilisable. Ok, donc là on approche de la fin de la distillation, donc à ce stade, ce qui nous reste dans le ballon, c'est un résidu en petite quantité qui est beaucoup moins volatile, je vais vous montrer. Vous voyez que la température d'ébullition tout à l'heure, elle était de l'ordre de 35 degrés, puis là, on est plutôt à voilà, 70-80 degrés. Hein. Donc ce serait plutôt de l'alcool à ce stade, ou un résidu en tout cas moins volatile. Et effectivement, au toucher, on le sent, hein, c'est beaucoup plus chaud. Si je garde la main dessus, je me brûle. Donc on a fait passer tout l'éther à ce stade, et ce qui nous reste là, ici, dans le flacon, c'est la dernière fraction d'éther, la moins pure, qui est combinée avec la fraction de tout à l'heure, qui est passée à 35 degrés, sera tout à fait utilisable pour les extractions liquide-liquide, mais qu'on aura avantageusement du coup séparé du résidu qu'on a dans le ballon. Donc là voilà, on arrive à la fin, donc ce que je vais faire c'est récupérer le flacon, peser l'éther qu'on a dedans et calculer le rendement. Donc au final, après cette distillation, il nous reste quand même une certaine quantité d'un résidu qui est beaucoup moins volatile que l'éther. Hein. On avait vu que la température était à 80 degrés lorsque j'ai arrêté la distillation, pour ce qui était du ballon. Et donc ça correspond à des impuretés, majoritairement de l'éthanol, puis peut-être aussi un peu d'eau, qu'on aura retiré de notre éther diéthylique dans ces flacons. D'où l'intérêt de procéder du coup à cette deuxième distillation, après avoir synthétisé l'éther et après l'avoir lavé à l'ampoule à décanter. On voit bien que du coup, les lavages qu'on a fait à l'ampoule à décanter ne sont pas suffisants puisqu'il y avait encore tout ça à l'intérieur de notre éther à retirer comme impureté. Donc au final, cette synthèse nous aura fourni donc 153,6 g d'éther diéthylique passé à sa température d'ébullition, donc 35 degrés Celsius, et 52,2 g d'éther un peu moins pur passé à 40 degrés Celsius, donc je l'ai écrit sur la bouteille pour savoir qu'il est moins pur. Donc ça nous fait un rendement total de 68%. 68% ça reste assez correct sur une synthèse où on fabrique un produit qui est aussi volatile que l'éther et qui du coup s'évapore beaucoup et se perd dans l'atmosphère finalement. Alors, au final, donc cet éther qu'on a fabriqué, il va falloir donc le conserver proprement. Donc pour ça, ce flacon, ça va, c'est du verre brun, donc la lumière ne devrait pas trop dégrader l'éther. Celui-là, par contre, je vais mettre du papier d'aluminium autour, de sorte à empêcher la lumière et en particulier les ultraviolets, donc de favoriser l'oxydation par l'oxygène de l'air, ce qui peut former des peroxydes.
et les peroxydes organiques issus de l'oxydation de l'éther sont particulièrement dangereux parce qu'explosifs. C'est aussi pour ça que j'ai noté les dates, donc les dates auxquelles j'ai conservé les flacons, auxquelles j'ai produit les flacons, pour bah, si j'oublie quand j'ai produit l'éther, je puisse encore savoir quand je l'ai produit, en lisant simplement ce qui est écrit sur le flacon, pour me faire une idée donc du danger que ça représente de le distiller, puisque au fur et à mesure donc, que je vais le conserver, il va s'oxyder légèrement, générer des peroxydes, et ça peut devenir particulièrement dangereux, notamment si je le distille, puisque je peux concentrer les peroxydes qui peuvent générer une explosion. Donc c'est l'un des risques à prendre en compte avec l'éther diéthylique. Donc voilà, ça c'était pour la synthèse donc, de l'éther diéthylique. Si ça vous, si le format, donc, le nouveau format des vidéos donc, vous intéresse et vous convient, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, et puis si vous préférez l'ancien format, bah, n'hésitez pas à nous le dire avec Alexandre, on s'adaptera et on refera les vidéos comme avant. Je voulais juste essayer un truc un peu nouveau pour cette vidéo.